Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Fab Lab Que at Home. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, nous allons nous rendre au Fab Lab Que qui a rouvert partiellement car Crow est en train de fabriquer avec Julien des masques de protection. En effet, vous le savez, avec le coronavirus, les services de secours manquent de certains matériaux, de certains équipements. Ils ont notamment besoin de visières pour se protéger du virus. Eh bien, le Fab Lab Que est occupé à en fabriquer. Je vais maintenant essayer d'entrer en contact avec Crow. On va voir si ça fonctionne. Allô, Crow, est-ce que tu m'entends? Allô? Ah. Bonjour, nous sommes actuellement au Fab Lab Que et je suis avec Julien. Super. Julien, en ce moment, est en train de travailler au Fab Lab Que. Il va nous expliquer sur quoi. Bonjour, Julien. Salut. Alors, on fabrique des visières comme ceci. Oh. Et alors, pour ça, on utilise la découpeuse laser qui est juste derrière nous. Oh, on peut voir? Est-ce qu'on peut voir? On te suit. Alors, ici, je prends des feuilles A4, sur lesquelles il n'y a absolument rien. C'est quoi, les feuilles A4? C'est quoi? Pourquoi elles sont transparentes? C'est quoi comme matériau? Alors, c'est du polyéthylène. Alors, sa particularité, c'est qu'il est transparent. C'est ce qui est intéressant, parce qu'on va devoir voir à travers. Et il est un petit peu résistant et assez souple pour pouvoir justement le plier et en faire un masque. Oh, génial. Voilà. Et tu découpes ça avec quoi, alors? Alors, ici, derrière nous, on a une petite découpeuse laser. Wow. Alors, avec cette machine... Je veux dire une énorme découpeuse. Ouais, elle est super. Une énorme découpeuse laser. Et là, avec cette machine, on va découper ces petits films plastiques. Alors ici, on a un gabarit dans lequel on place nos formats. Génial, hein? Toc. Là, 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 là. Oula. Toc. Dis donc. Et tout ça en direct. Voilà. Faire bien attention de bien les mettre parce que... s'il y a moindre décalage, les pliages ne vont pas être bons. Ah d'accord, c'est précis alors. Eh oui. Attention à la tête. Je ferme le capot et je lance la machine. Oh, t'as besoin d'un ordinateur? Évidemment, Crow. Alors, on va voir le programme. Effectivement, j'ai besoin d'un ordinateur. Hop, l'ordinateur est en veille. Voilà. Ici, je peux mettre start, je vais allumer l'aspiration parce que le plastique, ça fait des mauvaises émissions. Ah oui, en effet. Oh, ça fait du bruit! On va aller vite voir. Alors, je sais pas si vous voyez quelque chose. Ouais, on va essayer de s'en rapprocher. On voit très bien, on voit très bien. C'est nickel. Waouh! Waouh! Dingue, hein? Et voilà! Du coup, le résultat, la découpeuse laser a fini de découper. Et on peut voir que les formats maintenant sont coupés. Alors, c'est pas évident parce que c'est transparent, donc c'est difficile de filmer. On voit un petit arrondi ici c'est et super. Les petites encoches juste dessous. Donc, ça, c'est la partie visière. Et on a une deuxième partie qui servira à faire le tour de la tête, qui est ici en trois éléments. Donc je vais devoir en découper un morceau. Hop. Et voilà. Avec ces deux éléments qu'on a ici, je vais pouvoir fabriquer une visière complète, comme celle-ci. Wow. Donc avec ça, on peut le mettre autour de la tête. Et j'en ai et une aussi protège. Pour toi, quoi. C'est vrai? Ouais. Ah, super. Oh, il a de la chance. On va aller voir. Je te suis. Oh là là. C'est celle-ci. Alors. Oh, regardez, ils ont fait voilà une la visière. Oh. Et ah, il faut peut-être qu'on enlève mon chapeau. Tu veux bien le faire parce que... Il faut enlever ton chapeau. Oui, tu peux. Tire. Alors, tiens un peu comme ça. Ouais. Et hop. Ah, super. Ah, bah écoute, comme ça, si à un moment donné, je dois... aider les aides-soignants et les pompiers, je serai également équipier. Bon, bah merci Julien pour la démonstration et puis à une prochaine fois. Salut. Au revoir les gars. Au revoir salut. Les scrabis. Waouh, c'est vraiment du super boulot les gars. Je vous félicite, vous avez vraiment super bien bossé. Alors, petite précision, tout ce qu'on voit ici,
Ça se passe dans plein d'autres ateliers, dans plein d'autres Fab Labs, en Belgique et dans le monde. Un peu partout, des gens se sont réunis et ont réfléchi à faire des projets de masques et d'autres appareils pour aider les personnes qui doivent donner des soins. On trouve ça vraiment super. C'est pour ça qu'on a fait cette émission un peu spéciale. C'est vrai qu'il y a peu de ces choses qu'on peut faire à la maison, mais c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. D'ici le prochain atelier, qui sera très bientôt publié, nous vous disons à bientôt et prenez soin de vous. Ciao !